17 mai, jour historique en RDC, 16 ans après la chute du régime Mobutu, qu'est-ce qui reste de l'AFDL ? Un culte et dépôt de gerbes de fleurs ont été organisés. Le processus électoral stoppé net doit se poursuivre en RDC. Le 11e bataillon de la police a été formé pour sécuriser les opérations des élections provinciales, municipales et urbaines à venir. Antenna, le journal, Jenny Valiente. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette édition spéciale 17 mai. Il y a 16 ans, le peuple congolais se souvient le samedi 17 mai 1997. L'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, conduite par Mlle Laurent Désiré Kabila, entrait à Kinshasa. À l'occasion de cette commémoration, une messe d'action de grâce a été dite aujourd'hui en la cathédrale du centenaire dans la commune de Lingwala. Patrick Borel Mukendi sur les belles images de David Temeni. Comme de coutume, chaque 17 mai, la République démocratique du Congo fête l'entrée à Kinshasa des troupes de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, Zaïre, AFDL, de Laurent Désiré Kabila. Pour le 6e anniversaire, qui coïncide avec les 12 ans de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, une messe d'action de grâce a été dite en la cathédrale du centenaire. L'homélie a été axée sur la cohésion nationale et l'intégrité territoriale. Devant le Premier ministre, le gouverneur de la ville et président de l'Assemblée nationale, la famille de Laurent Désiré Kabila et les invités, l'un des combattants, compagnon, Yerodia Abdoulaye Ndombassi, s'est adressé à l'assistance sur un ton pathétique. Vous livrez la parole de ce camarade-là. 16 ans après, la rupture intervenue grâce à l'AFDL tarde à prendre corps et à s'imposer. Il faudra davantage de volonté auprès des héritiers politiques de Laurent Désiré Kabila. Après le culte d'action de grâce en la cathédrale du centenaire dans la commune de Lingwala, les invités se sont rendus au musée Laurent Désiré Kabila pour y déposer des gerbes de fleurs. Encore une fois, Patrick Borel Mukendi sur les belles images de David Temeni. Le fleuve de nos larmes ne saura effacer nos douleurs et notre tristesse de voir une fois de plus la tombe de Laurent Désiré Kabila, l'homme qui a joué un grand rôle pour les retours de la paix, de la démocratie et de notre identité. Le propos du gouverneur de Maniema, Toutou Salomon, résumant à eux seuls l'état d'esprit de tous ceux qui sont venus en ce 17 mai s'incliner devant le mausolée de Laurent Désiré Kabila. J'ose croire que si ceux qui font partie de cette rébellion se sentent vraiment congolais, ils ne peuvent pas prendre les armes pour tirer sur les autres congolais et faire couler le sang des congolais. Voilà pourquoi ne jamais trahir le Congo doit être une leçon que nous devons capitaliser par rapport à ce qui s'est passé le 17 mai 1997. À partir du 17 mai 1997, le pays a retrouvé son identité, l'identité congolaise. Le pays avait perdu son identité. Dès lors que le pays a retrouvé son identité, nous sommes engagés dans un processus irréversible, un processus qui a permis aux Congolais de comprendre que le développement du Congo ne peut se faire que par lui-même, quelles que soient les situations que nous sommes en train de traverser, l'instabilité à l'Est, qui est liée à beaucoup de facteurs, comme vous le savez, liée aux intérêts des individus, liée aussi à la stabilité du régime de Kigali, parce que le régime de Kigali vit de l'instabilité de l'Est en République démocratique du Congo. Je pense que cette révolution aujourd'hui restera inscrite dans l'histoire du pays comme un moment essentiel de la renaissance de notre pays. Nous, Congolais, devons compter d'abord sur nos propres forces, sur notre propre génie, pour faire de ce pays un grand pays tel que Lumumba l'avait prévu, en disant que l'avenir du Congo est beau. Et donc, je dirais à cette jeunesse congolaise, comme Cheikh Anta Diop, les grands pharaons noirs, les savants africains, a légué à la génération de la jeunesse africaine en leur disant, nous devons nous armer, la jeunesse congolaise doit s'armer de la science jusqu'aux dents. C'est une grande journée pour nous, une journée de la liberté du peuple congolais, et c'était le début aussi du processus démocratique et qui est bien d'aboutir aujourd'hui aux deux grandes élections remportées par le raïs Joseph Kabila Kabange. Après la visite du mausolée,
un cocktail a été offert par la Fondation Mosé Laurent Désiré Kabila, présidée par Jeannette Kabila. Restons-y encore. Et au nombre des anciens compagnons de Mosé Laurent Désiré Kabila, il faut compter avec les Kadogo, ces jeunes soldats qui ont marché sur Kinshasa le 17 mai 1997. L'occasion a été propice pour exhorter la classe dirigeante afin de pérenniser les idées de Mosé Laurent Désiré Kabila. Anne-Marie Ossite sur les images de David Emeni. 16 mai 97, 16 mai 2013, exactement 16 ans après la libération du Congo par l'Alliance de Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL, les compagnons de Laurent Désiré Kabila se disent abandonnés par le pouvoir en place. Nous nous tenons, nous savons que le pouvoir est notre, nous savons qu'un jour, le chef de l'État, comme il a la bonne volonté, il va finir par comprendre que non, je dois retourner au premier contrat, parce qu'il n'y a que le premier contrat qui est pour l'intérêt de tous. Les premiers contrats, les contrats révolutionnaires. Pour Mwenda Mchiri, les Kadogo qui ont mené leur lutte pour la libération du Congo sont aujourd'hui négligés et cherchent à être récupérés dans les affaires. Aujourd'hui, les Kadogo sont éparpillés. Les Kadogo sont éparpillés. Nous sommes abandonnés. C'est ça. Ce que nous demandons au gouvernement et les chefs de gouvernement d'encadrer d'abord les Kadogo, de réunir les Kadogo, parce que nous sommes abandonnés, nous sommes éparpillés, on ne respecte pas. On ne peut pas parler de Mosé sans parler de ses compagnons. Et puis si vous parlez de ses compagnons de Mosé, vous voyez quoi? Les Kadogo. Parce que Mosé n'était pas seul. Mosé était accompagné par les Kadogo. 16 ans après la chute du régime Mobutu, qu'est-ce qui a changé en bien? Au peuple congolais d'y répondre. Et en marge de la commémoration du 16e anniversaire de la chute du régime Mobutu avec l'entrée de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, eh bien, les Congolais ont tenu à exprimer leurs avis et considérations par rapport à cette journée historique. Maxime Gongo, David Mbeni, Mami Tambou. Aujourd'hui, 16 ans après l'entrée de l'AFDL à Kinshasa, un Congolais rencontré ce 17 mai se souvient de cette date mémorable comme si c'était hier. Cette journée, c'est le début d'un processus pour l'émancipation totale du peuple congolais. Mais d'abord, pour arriver à la totalité des phénomènes du processus, il faut la libération politique. N'étant pas encore né lors de la rupture d'avec le régime Mobutu au 17 mai 1997, la jeune génération garde plutôt le surnom du soldat du peuple au compte de Mzé Laurent Désiré Kabila. Je reconnais que Mosé nous a dit que le Congolais va se prendre en charge. Je suis venu voir Mosé. C'est une personne qui nous a libérés pour libérer le Congo. On est venu ici pour voir la tombe de Mosé Kabila. Il est mort pour notre pays, pour libérer notre pays. À travers la date du 17 mai 1997, jour inoubliable avec l'entrée en triomphe de l'AFDL, devra pousser les Congolais à préserver les acquis de cette révolution hors du commun. Changeant de chapitre, après avoir suivi pendant 3 semaines une formation de recyclage par la gendarmerie française, les agents du 11e bataillon de la police nationale congolaise ont, au cours d'une séance d'entraînement à la Foire internationale de Kinshasa, prouvé les capacités de maîtrise des acquis de cette formation. Sylvie Fortuné Mboula sur les images de Guimawissi. Fruit de la coopération entre la police nationale congolaise et l'ambassade de France en République démocratique du Congo, cette formation de recyclage qui a duré 3 semaines consiste à rappeler le mode d'exécution tel que maintenir l'ordre public, surtout au cours de manifestations publiques. Je rappelle que une unité comme celle-ci qui maintient l'ordre public est essentielle pour préserver l'ordre public, pour préserver l'intégrité de l'État, mais aussi pour préserver le plus possible l'intégrité physique des manifestants, qui ne doivent pas bien entendu dépasser certaines bornes, mais qui ne doivent pas non plus être abîmés. À l'approche de l'organisation des élections locales, les officiers de la police se félicitent de leurs éléments. L'unité qui est chargée de gérer toutes ces opérations électorales doit être entraînée en amont.
Voilà même ce qui justifie le thème d'aujourd'hui, les plusieurs incidents que nous avons montés cadre avec une opération électorale. Les agents de l'ordre ont bien assimilé les leçons et se disent prêts à assurer l'ordre public. Parlons diplomatie dans ce journal. Reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, ce vendredi 17 mai 2013, l'envoyé spécial du président camerounais Paul Biya a remis une enveloppe sous pli fermée au patron de la diplomatie congolaise qui devra par la suite la transmettre au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Le point avec Patricia Mouli. C'est vendredi 17 mai 2013, au ministère des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie congolaise a reçu l'envoyé spécial du président Paul Biya du Cameroun et président du Conseil économique et social, Luc Ayong. Il était porteur d'un message sous pli fermé au président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Au sortir de son tête-à-tête avec le ministre des Affaires étrangères, l'envoyé spécial a déclaré que la primeur du message du chef de l'État camerounais est réservée au président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Au regard de l'importance de la République démocratique du Congo dans notre sous-région et en Afrique, il était nécessaire que le chef de l'État camerounais le consultât sur les problèmes relatifs à nos relations et surtout dans la perspective de la commission mixte qui aura lieu entre nos deux pays, qui se tiendra sans doute au Cameroun au cours de cette année. Je suis très heureux d'être à Kinshasa, ce n'est pas la première fois. Et j'ai pu apprécier avec un plaisir évident que chaque jour que je passe ici, chaque fois que je passe ici, des progrès substantiels sont accomplis dans ce pays. Les deux personnalités ont aussi parlé des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays qu'elles ont qualifiées d'excellentes. Restons encore dans ce chapitre diplomatique pour vous dire que Eric Madison, chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis en RDC, est venu annoncer au vice-ministre des Affaires étrangères la visite du chef de la diplomatie américaine, John Kerry, à Addis Abeba, capitale éthiopienne, qui va abriter le 21e sommet de l'Union africaine du 20 au 27 mai 2013. La RDC va participer à cette importante rencontre des dirigeants africains qui coïncide avec la célébration du 50e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Eric Madison a affirmé le soutien des États-Unis à la brigade d'intervention pour neutraliser les forces négatives qui opèrent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà, parlons encore du 17 mai dans ce journal, puisque c'est la journée de l'AFDL, des Forces démocratiques de libération du Congo. Que devra-t-on retenir de cette date du 17 mai dans ce journal? Eh bien, la question a été posée aux parlementaires à l'Assemblée nationale. Pour le député Fonus Emery Okunji, la date du 17 mai rappelle beaucoup plus de mauvais souvenirs eu égard à la situation de guerre qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Notre spécialiste en questions parlementaires, Laïn Bofando Mbongo, Blaise Lunda, Sylvie Fortuné Mboula et Popol Ziakwa, nous en parlent. Après avoir salué le courage et la bravoure du feu Laurent Désiré Kabila avec ses troupes de forces démocratiques pour la libération du Congo qui ont conduit à la chute du maréchal Mobutu, les députés nationaux Emery Okunji a dressé plutôt à la suite un bilan négatif de la date du 17 mai 2013. Selon lui, le 17 mai 1997 a laissé un triste héritage pour la République démocratique du Congo avec des guerres à répétition dans sa partie est. C'est une date qui nous a amené tous les malheurs du monde. Et vous savez que Mousset Laurent Désiré Kabila lui-même a trouvé une expression pour qualifier ceux qui sont venus avec lui et qui ont pris le pouvoir le 17 mai. Un conglomérat d'aventuriers. Dixie, Mousset Laurent Désiré Kabila, que son âme repose en paix. C'est la date où on nous a amené les gens
qui sont en train d'amener le Congo là où il est aujourd'hui et qui n'ont plus replié bagage. Les scientifiques, eux, n'entendent pas les choses de cette oreille. L'État doit encore davantage se refaire pour devenir cet État qui gagne par la loi, qui gagne par le droit, cet État qui s'est mobilisé, n'est-ce pas, des recettes pour faire face aux dépenses, n'est-ce pas, de développement. L'immensité des problèmes et la profondeur de la crise qui nous a caractérisés fait que tous les efforts sont noyés pratiquement comme une goutte d'eau dans la mer. Mais un peu de bonne foi pourra nous montrer qu'il s'est fait beaucoup de choses aujourd'hui dans ces pays. Beaucoup de choses. Ne fût-ce que la liberté de la presse, comme vous, vous êtes là. Il y a quelques temps, on ne pouvait pas passer à la télévision, dire ouvertement des choses négatives par rapport au pouvoir. Mais aujourd'hui, vous pouvez les dire sans être inquiété. Il est demandé au peuple congolais et aux autorités de ne pas fouler l'héritage légué par Mzé Laurent Désiré Kabila au pied. Fin de ce journal. Merci aux deux capitales les plus proches, Kinshasa et Brazzaville, de nous avoir suivis. L'information continue sur www.antenneatv.com. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Barcelone, Madrid, en Espagne. Bonsoir.